L'expo a eu lieu dans ce hall. Une cachette de l'underground ? Je pense qu'elle doit être un peu plus loin. Bill ! Allez, faut en finir. C'est entre toi et moi. Elle doit être avec notre projet, au bout du couloir. Je veux voir notre projet avant qu'on meure de vieillesse. Ça va, j'arrive. Hé, ils nous ont mis où ? J'ai le plan du musée sur mon téléphone. Notre projet est dans une expo temporaire en haut. Ah, j'ai hâte de voir nos noms sur la plaquette comme des vrais scientifiques. Aujourd'hui, le Forum des sciences Oscorp. Demain, tous les plus grands musées du monde entier. Les fermes d'algues sont essentielles pour une vie saine et durable au fond des océans. De nombreux produits commerciaux utilisent déjà des algues cultivées à l'échelle. Je me demande quel goût ça a, les algues. Ça doit être comme le kale. Oh, je déteste le chou. Vous pensez que vivre sous la mer relève de la science-fiction ? Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur ? Des requins, du noir, des espaces confinés ? Très peu pour moi. Ce scaphandre est l'un des premiers développés au début du 18e siècle. Tu crois qu'il me laisserait l'essayer ? J'adorerais te voir essayer de marcher dans ce machin. Ça peut pas être pire que tes chaussures au bal du printemps. Oh, ça va ! Les tiennes avaient plus de talons que les miennes. L'expo temporaire est en haut. Voilà l'ascenseur. On a le temps de regarder le reste d'abord. Cette maquette met en scène une mission pour terraformer et coloniser Mars, notre plus proche voisine. C'est comme une petite communauté sur Mars. Ça manque de café et de street art. Vous avez vos entrées pour l'expo temporaire ? Oh, notre projet est exposé. Je pensais pas qu'il fallait des entrées. Eh bien si, et c'est complet. Donc je ne peux pas vous laisser monter. Merci quand même. Bon, faut qu'on trouve un autre moyen d'entrer. Elle a dit que tout était vendu. Ouais, mais tu vois cette porte ? Le couloir derrière mène droit à l'ascenseur. On va pas risquer. On n'a pas le choix. Ils vont démonter l'expo demain, on n'aura jamais l'occasion de la voir. Verrouillé. Je reconnais ce genre de serrure. Si on éclaire à l'intérieur, ça s'ouvre direct. Les flashs de nos téléphones, ça marcherait. Mais ça porte pas assez. Ça marchera si on arrive à glisser un truc réfléchissant sous la porte. Un truc réfléchissant... et polymorphe, ce serait l'idéal. Polymorphe ? Tu veux dire qu'il change de forme ? Alors comme ça, on se met à utiliser des mots compliqués. Ferme-la ! Il faut une matière réfléchissante. Qu'on puisse glisser sous la porte, mais aussi qu'on puisse déplacer. On se fait une partie ? Ah, c'est à celui qui bourrine le plus. Donc tu déclares forfait ? Jamais. Allez, plus vite ! Allez, mets les gaz ! Allez. Vas-y. Ha ! Je t'ai eu ! J'ai trouvé un domaine où je suis le plus fort ! Ça durera pas. J'aurais voulu avoir des musées là où j'ai grandi. On devait faire 2 heures de route. Il y avait du métal exposé près de la porte. Eh ouais.
après coup, mon épaule me fiche un peu la paix, par contre. Les innovations architecturales sont essentielles. Hey, regarde ça. Tu veux une maison sur Mars? Bien sûr. Si j'ai le droit d'amener mes micros, mes haut-parleurs, mon sampleur... Ils te laisseront pas prendre tout ça. Ils accepteront s'ils veulent du bon son sur Mars. Ça nous aidera pas à passer la porte. Et il y a celui à énergie solaire, avec les autocollants. Un alliage à mémoire de forme. Je peux le modeler sur l'appli du musée. C'est dingue ce truc. Tu crois que c'est de la métamatière? Ça y ressemble. Je me demande si elle utilise une bande interdite phononique. Ça y est, prends-le. Faut pas qu'on se fasse griller. C'est bon, on y va. Oh, désolé. Pas de soucis. Il faut une matière réfléchissante. Vu que les outils externes communiquent directement avec l'ordi du module de commande, on pourrait répliquer l'idée, mais avec une interface neurale. Ça surchargerait la ligne centrale. Pas si on l'intègre par-dessus le maillage entier, via des points d'entrée multiples. Hmm. Tu crois que tu pourrais t'en charger? Avec du temps et des hectolitres de café? On devrait chercher quelque chose d'énergétique. Des astronefs, publics et privés, explorent actuellement notre planète. Je parie que ça rend une qualité sonore de malade. Pas dans l'espace. Cool. Mais pas utile. Je crois que t'as raison. On pourrait sûrement se servir du présentoir à énergie solaire. Ce rover Oscorp, dérivé de modèles actuellement employés sur la Lune, peut être conduit manuellement. Il détecte les minéraux. Il transporte des passagers dans des milieux toxiques. C'est de la folie! Tu t'imagines conduire ce monstre sur la cinquième? Dégagez les piétons! Continue de chercher quelque chose d'utile. Sérieux? Toi, l'horloge tourne, tic-tac. T'attends le dégel ou quoi ?